Où sommes-nous? Que s'est-il passé? Quelles sont ces civilisations englouties? Ces questions, parmi beaucoup d'autres, nous hantent devant les toiles de Jean-Pierre Ugarte. Lui dit peindre des paysages depuis toujours, mais des paysages qui interrogent. Ce sont des paysages virtuels, c'est-à-dire qu'ils sont totalement recomposés de l'air, de la nature, du béton et surtout pas de personnages. Et c'est l'une des grandes forces de cette œuvre visuellement très marquante. Les traces de l'homme sont là, un peu partout. Le reste, il faut l'imaginer. Quand on fait des architectures très, très carrées, ça évoque tout de suite de l'architecture militaire. Et moi, j'ai été baigné depuis tout petit, évidemment, puisque je suis originaire d'Urugne, au Pays Basque, à ce qu'on appelle le mur de l'Atlantique, puis à Bordeaux, plus tard, la base sous-marine. Et ça m'a toujours fasciné. Cette espèce de souvenir rémanent du passage d'un drame, finalement, dont on a aujourd'hui une sorte d'archéologie du futur, quoi. 60 tableaux sur 25 ans composent cette rétrospective au Musée des Beaux-Arts de Pau, une occasion unique de se plonger dans l'œuvre de Jean-Pierre Ugarte, à chacun d'y trouver ses propres interrogations existentielles.